Nous sommes en Italie sur l'Autodromo Nazionale Monza pour suivre la grande finale de la saison 2014 de la Mera Cup. Ce week-end, une course de 8 heures est au programme. Et après les 6 premières manches de la saison, 4 équipages pourront encore être titrés. Actua Red Team, ETC Racing, Ores, Marie, 3D, Tech Drive Intermarché ou encore Tech Drive E. Leclerc. Dans le temple de la vitesse, les prétendants au titre ne devront pas se laisser griser. Effectivement, quand on joue le championnat avec les points doublés, la pression est beaucoup plus importante. Je pense qu'on va être très vigilant à bien finir la course. Bon, on a une course à gagner, on est 4 à arriver avec un podium à la finale, donc il faut gagner cette course au week-end. Ça met une pression supplémentaire, surtout sur un circuit très rapide qui est Monza. Et le souci, c'est d'arriver jusqu'à la fin. Il y a quand même 4 voitures qui sont dans un mouchoir de poche. Et une météo qui n'est pas forcément simple, donc il y a effectivement un petit peu de pression, mais ça va, on résiste à la pression. Le premier week-end de la Lamera au Red Bull Ring, où on a gagné sous la pluie les deux courses du meeting. La première victoire et l'enchaînement de 4 victoires, je pense qu'on ne s'attendait pas à avoir 4 victoires de suite, donc ça c'était vraiment un moment fort. Quelques pole positions qui nous ont amené des points, sinon une certaine régularité quand même. Navarra, parce que belle course, bien menée, du début à la fin, 7 heures, une victoire au bout, voilà, et puis surtout des équipiers dans le coup. Dijon, la dernière. Forcément, on ne marque pas de points, donc voilà, ça coûte cher dans une saison de faire une course blanche. Un début difficile au Red Bull Ring avec deux moteurs qui cassent. Sur un beau circuit, c'est dommage, on n'en a pas tellement profité, mais c'était un début de saison difficile. On a eu Nogaro, où on a cassé un radiateur d'eau à 10 minutes de la fin. On aurait dû essayer de franchir la ligne d'arrivée, on a fait, je pense, une erreur à ce moment-là. C'était à Dijon, la dernière, où on était en tête et on partait, je pense qu'on partait pour la victoire. Et on a eu un problème technique vraiment improbable et on a été vraiment très déçus, toute l'équipe a été très déçue. On a un équipage rapide déjà, je pense. On l'a vu à chaque fois aux avant-postes. Voilà, et on a été aussi homogène. On est assez régulier dans mon temps et on essaye aussi de préserver la voiture. On arrive à être rapide et en même temps on est assez homogène au niveau des temps, ce qui nous permet de souvent finir devant. Une bonne entente surtout entre les équipiers. Et des mécanos qui tiennent vraiment la route et qui sont aussi de grande qualité. Cette troisième saison de la Mera Cup, vous le savez, se conclut sur un tracé mythique, l'Autodromo Nazionale Monza, un circuit qui évoque bien sûr de nombreux souvenirs, tant aux spectateurs qu'aux pilotes. Et justement, malgré les conditions climatiques, allons voir quel est leur sentiment sur ce tracé. C'est vraiment un circuit mythique, Monza, ça évoque surtout la Formule 1 quand on voit toute l'infrastructure qu'il y a là. Et puis il est quand même assez technique, on se rend compte que malgré ses lignes droites, les virages, il faut vraiment les aborder avec une certaine technique, hein, bien trajectée. Et surtout, les points de freinage sont super importants ici. C'est un peu le temple du sport automobile. On est en Italie. Enfin, c'est un circuit qui demande beaucoup de concentration. On va très très vite. C'est souvent pleine charge. Il y a beaucoup de lignes droites avec des gros freinages. Donc, il faut vraiment être très prudent. Ascari est un passage très intéressant parce qu'on peut vraiment rentrer très fort. Je vois par rapport à mes coéquipiers, on est carrément un rapport de vitesse différent. Et donc là, je leur explique pouvoir rentrer vraiment beaucoup plus fort pour pouvoir sortir mieux. Ça me rappelle les années 70, 80, 70 surtout, les grandes courses sur ce circuit-ci qui étaient peut-être pas trop différents sauf les chicanes. Donc c'est assez impressionnant de rouler sur ce circuit, c'est bien. C'est un circuit moi, que j'affectionne beaucoup. J'adore les freinages qu'il y a, puis c'est un circuit qui est assez technique malgré tout quand même. Et bon, c'est un circuit au gros cœur, ça me plaît bien. C'est vraiment le circuit dont tout le monde rêve, je crois. Hein. Quand on dit qu'on va à Monza, c'est vrai que c'est aller un peu au paradis, si je peux dire. Avec un calendrier attrayant, la Lamera Cup séduit toujours de nouveaux pilotes désireux de découvrir des circuits célèbres comme le Castellet ou bien Monza. Ça a été un élément déclencheur, ça faisait un petit moment qu'on se posait la question. Et effectivement, Monza, c'était une belle opportunité d'essayer et on est venu avec plaisir. Moi, je suis intéressé pour redécouvrir des beaux circuits et pas rouler sur des tourniquets, disons.
et je serais plus attiré à rouler sur des circuits naturels et mythiques que des circuits trop artificiels. Ça, c'est toute la force de Wilfried, hein, Wilfried Marafina, que d'aller chercher des circuits mythiques, hein, les Castellet, les Navarra, Dijon il y a 3 semaines, les Manicourt, enfin bref, tous des circuits qu'on a tous vus un jour, gamin, derrière notre écran, avec des Formule 1 ou dans d'autres courses. Et ce week-end encore, des pilotes professionnels comme Andrea Dubourg ou Romain Brandella ont eu l'occasion de tester la Lamera et de livrer leur ressenti. C'est une voiture vraiment agréable et facile à piloter, j'ai envie de dire. Elle est vraiment conçue pour de l'endurance, elle est taillée pour ça. On ne fatigue pas à son volant et je trouve vraiment agréable. Il n'y a rien qui me choque, il n'y a aucun problème de fiabilité. Et je pense que la discipline a de l'avenir. Les voitures sont vraiment sympas. Ce que propose Wilfried est vraiment une formule, vraiment, on prend son pied. Et c'est vraiment l'essentiel. On côtoie des pilotes, des gentlemen, des très très bons et moins bons. Mais tout le monde s'entend super bien. Et avec la voiture, tout le monde s'éclate. Donc j'adore le principe. Clairement, je pense qu'on a décidé de faire un engagement pour l'année prochaine, pour la saison de l'année prochaine. On sait que l'an prochain, il y a encore de belles choses de prévues. Donc... L'histoire, la belle histoire continue et on va continuer à prendre beaucoup de plaisir avec nos clients lors de ces compétitions. Ce week-end, les conditions climatiques sont difficiles en Lombardie. Le briefing revêt donc une importance capitale pour tous les pilotes. Le championnat est en jeu, les prétendants au titre sont attentifs aux consignes dispensées par le directeur de course. Une fois les règles assimilées, place à la découverte du circuit en caméra embarquée avec la Tech Drive numéro 4 qui reste sur une belle deuxième place à Dijon. Bienvenue à bord de la voiture Tech Drive numéro 4, la dernière manche de l'Amira Cup à Monza, un circuit assez rapide et très compliqué avec une adhérence très précaire avec la pluie. Donc ça y est, c'est parti, on prend la ligne droite de départ, on prend une très haute vitesse, on arrive à plus de 200 km/h. Donc freinage, 5, 4, 3, 2, passage de la première chicane au ralenti, avec très peu de motricité sur l'humidité, très très peu, très, très compliqué de relancer la machine pour la première parabolique qui se passe très rapide. Donc on relance 3, 4, 5, on rentre en 5e à fond et on passe la 6e au milieu de la courbe. Ensuite nous allons arriver sous la passerelle pour un gros freinage à la 2e chicane. On tombe la 5, la 4. Et la 3, très difficile, on voit certains concurrents, on n'arrive pas à freiner, donc ils court-circuitent la chicane, on relance en 3e, en 4e. Alors sachant que nous, on avait choisi des réglages secs, alors que le piste était encore humide pour les premiers tours, alors très compliqué au niveau de l'adhérence pour relancer, on relance en 4, on retombe la 3 pour le deuxième desmote. Et c'est reparti pour la 2e grande ligne droite. 4. On met la 5e avant le premier gauche. Et on prend la descente sous la passerelle. Et on passe la 6e juste avant la passerelle. On arrive toujours à plus de 200 km/h pour le freinage. Aux environs de 200 mètres. Toujours avec l'adhérence très précaire sur l'humidité. Pour tomber en 3. 3. Bien privilégier la relance. 4e au milieu de la courbe et c'est reparti pour la dernière ligne droite avant la parabolique. 4e, 5e sous la passerelle et 6e pour la dernière allonge avec un freinage un peu moins important pour la dernière parabolique que l'on passe en 4e qui est un des virages les plus rapides du circuit. En 4e toujours l'adhérence très précaire sous l'humidité. Bien privilégier la relance pour se retrouver dans la ligne droite des stands en 5e et en 6e. Après deux séances d'essais libres compliquées, les 17 voitures engagées ce week-end ont dû prendre part à la séance qualificative raccourcie pour l'occasion. Les conditions de piste étant apocalyptiques, les pilotes ont été envoyés en deux groupes distincts, les 10 premiers du championnat d'abord, puis les autres participants.
À ce petit jeu, c'est Ores Marie 3D qui décroche une nouvelle pole position cette saison grâce au navigateur d'un jour, Olivier Pernaud, en 2:33-0:26. Il devance ses équipiers Ores Stefia numéro 5 et permet à la 1 d'empocher 30 points décisifs dans l'optique du championnat. Troisième en arrivant en Italie, les champions en titre Marie, Péricel, Petit et Pernaud se retrouvent en tête du classement général pour 3 points seulement avant l'ultime course de l'année. L'actuel Red Team TC Racing numéro 19 signe un excellent 3ème chrono. La Tech Drive Intermarché numéro 25 partira elle en 7ème position. La Tech Drive Leclerc numéro 16 n'a pas pu faire mieux que 9ème lors de ses qualifications. 5ème pole position de la saison pour la 1 devant la 5 et la 10, la bataille s'annonce âpre entre les 4 prétendants au titre. Après une séance qualificative rendue difficile par les conditions météorologiques, les concurrents en profitent pour se détendre avant l'apéritif traditionnel sous la tente TTM, un moment convivial et toujours aussi agréable. Nous sommes bien sur l'Autodromo National et Monza pour suivre les temps forts de la 7ème et dernière manche de la Lamera Cup. Une course de 8 heures décisive attend les pilotes, les points sont doublés ce week-end. Les prétendants au titre sont concentrés sur la grille de départ. En pole, les champions 2013 Ores Marie 3D sont déterminés à conserver leur titre. Une pole très importante ici, les points sont doublés. 30 points dans la besace, c'était important malgré les conditions difficiles hier. Ah, ça, pour les conditions difficiles, on n'en a jamais vu autant. Mais bon, grâce à Olivier, on a pu faire la pole. Moi, j'avais pas le droit de la faire, donc au moins, ça c'est fait. Le premier qui va faire une faute, de toute façon, ça va être soit mur, soit bac, et la course, elle est finie. Donc là, il va pas falloir trop se bagarrer, on va prendre le rythme, et après, on va changer notre façon de conduire au fur et à mesure. Celui qui va chercher à conduire trop vite dès le début, il a fini la course. Les voitures sont en formation, l'enjeu est important, on le rappelle, le titre 2014 est loin d'être joué. Caméra embarquée avec Frédéric Malon au départ, bon envol de la 4, mais attention au freinage de la première chicane, la piste est encore grasse ce matin, les conditions d'adhérence sont délicates, la 4 va assurer son freinage, et il perd une position au profit de la 19 juste à la droite de l'image. Les deux Ores conservent les deux premières places alors que la 16 d'Orgeval est 9ème, juste devant la 25 qui n'a pas voulu prendre trop de risques au départ. Retour avec Frédéric Malon en 6ème place à la 2ème chicane, de nombreuses voitures coupent la variante della Roggia, la piste est encore glissante. Et à l'issue du premier tour, c'est Nicolas Oliveira, voiture 31, qui pointe en tête devant les deux voitures Ores et la voiture 19. Dans le peloton, Emmanuel Orgeval attaque fort, il passe en 6ème position au freinage de la variante Ascari, juste devant la voiture numéro 4. La 31 est toujours en première place devant la 1 et la 5, Orgeval sur la 16 est déjà 4ème devant la 19 et la 10. Frédéric Malon est désormais 8ème sous la menace de son équipier Pierre Coinon sur la 25. Et justement, partons caméra embarquée avec Pierre Coinon, on aperçoit la Tech Drive numéro 4 juste devant. La 25 va prendre l'aspiration dans la ligne droite et se décaler. Malon voit la 25 à sa gauche, il retarde son freinage. Est-ce que ça va suffire? Non, la 25 va prendre le meilleur à Ascari. Et attention avec l'adhérence précaire, les pilotes sont sur le fil. Le classement après quelques bouclés, le suivant, la 5 de Benjamin Rivière est passé en tête devant la 16 et la 31. Sur la 1, Philippe Marie est prudent et devance la 19, la 10 et la 8, les nouveaux venus du RKM compétition. 8ème place pour la 25 devant la 4 et le TC Racing numéro 14 qui une fois n'est pas coutume est piloté par l'équipage habituel du Cars Racing. À l'aspiration dans la ligne droite pour la 16. Et ça va passer pour Orgeval qui rate son freinage et qui court-circuite la première chicane. Pas de souci, à l'heure actuelle, c'est bien l'équipage Tech Drive Leclerc numéro 16 qui sont champions 2014. Mais quelques minutes plus tard, c'est le coup de théâtre. Un de plus dans une saison qui n'en aura pas manqué. La Tech Drive numéro 16, 3ème du championnat, rentre au stand. Retrouvons Emmanuel Orgeval dans les stands pour comprendre ce qui s'est passé. On a un problème électrique, je pense, visiblement alternateur.
voilà, qui nous pose des soucis. Ça crée des coupures de vitesse, de moteur, ça engendrait tout un tas de coupures électriques. Voilà, donc on a commencé par perdre progressivement le tableau de bord, les vitesses, voilà, jusqu'à l'arrêt total de la voiture. Bon, on va repartir de toute façon, la course est longue, il y a de l'espoir. Ouais, il y a toujours de l'espoir, hein, et on a des problèmes, mais les autres peuvent avoir aussi des soucis. Donc il y a 8 heures de course et l'endurance, et on est là, et on va repartir, et on va jusqu'au bout. Les mécaniciens de chez Tech Drive ont été efficaces. La 16 repart après 15 minutes, mais l'équipage est désormais à 15e à 9 tours. Il faudra se cracher dans les gants pour aller chercher le titre 2014. En piste, Lorès Marie 3D numéro 1 a profité des soucis de la 16 pour prendre les commandes de la course. Les champions en titre négocient parfaitement cette dernière épreuve de l'année. Deuxième place pour l'actuel Red Team ETC Racing numéro 19 de Mazo, Milara, Demigneux et Quilez, alors que la 25 occupe la troisième position. Pierre Coinon se défait d'ailleurs des retardataires. Trois des quatre prétendants au titre sont aux trois premières places de la course. Quelle dernière épreuve de l'année! Derrière, Lorès Stefia numéro 5 est désormais quatrième, alors que la Chilton compétition numéro 10 est cinquième. Mais quelques minutes plus tard, c'est au tour de la 25 de s'encouvrer dans les stands. Une course à oublier pour le Tech Drive de Maxime Bailleul. La voiture va repartir 11e à 10 tours, soit deux places derrière la 16 qui remonte au classement. On a cumulé, comme on dit, on arrive ici avec nos deux points d'avance au championnat. On a raté un peu nos qualifs déjà dans un premier temps. Donc on marque pas les points de la pole. Bref, on se retrouve très loin dans le classement. Et si il reste encore un petit peu de temps de course, mais si ça en reste là, on serait même pas sur le podium du championnat. Donc grosse déception en effet. En première position, Res Marie 3D numéro 1 voit désormais revenir la 19 dans ses roues avant la fenêtre d'arrêt au stand. Pour remporter le titre, actuel Red Team ETC Racing n'a d'autre choix que de s'imposer et espérer que la 1 ne fasse pas mieux que 6e. Phase importante dans ces courses d'endurance, les ravitaillements sont l'occasion pour les pilotes de se relayer. Le temps est précieux, la victoire et le titre peuvent aussi se jouer dans les stands. Salve de ravitaillement, le classement est modifié. La 19 s'empare de la première position devant la 1. Quelle course de l'équipe actuelle Red Team ETC Racing qui termine la saison en trombe. Troisième place pour la Lamera numéro 2 après Dijon et Lednon. L'équipe Racetrack Motorsport de Bergoda, Kim et Parson se dirige vers un nouveau podium. La Chilton compétition numéro 10 occupe une belle quatrième place dans cette course. La 19 est en tête, l'occasion de retrouver Virginie Mazo, l'épouse de Florent, actuellement en leader de cette dernière course de l'année. Est-ce qu'il y a du stress quand on voit Florent en piste? Il y a du stress, il y a pas mal de stress, il y a beaucoup de, comment dire, de soutien aussi, énormément de soutien. C'est grisant, pour moi c'est grisant, tout le monde s'entend bien, c'est sain. Donc après, on s'amuse aussi beaucoup quand même. Et en tant que chef d'entreprise, alors est-ce que la semaine, il parle de la Lamera? Est-ce que ça l'intéresse? Il en parle, il regarde beaucoup de reportages, et il en parle mais il n'en abuse pas. Voilà, ça reste une passion, je pense qu'il y prend, ouais, il s'éclate avant tout en fait. Et on s'éclate aussi beaucoup chez Gentleman, heureux de rouler sur un tracé mythique comme celui de Monza. 7e du classement en général, la Tech Drive Racing numéro 20 mène cette catégorie annexe. La Triangle Paris Nord numéro 27 est 2e, alors que la Scania Racing numéro 7 est sur la 3e marche du podium. Malgré le plaisir, il faut toutefois rester concentré sur ce tracé exigeant. La faute n'est jamais très loin. Et nouveau rebondissement dans cette course de 8 heures avec la 1 qui s'engouffre dans la voie des stands. Les mécaniciens sont à pied d'œuvre pour réparer l'auto. Le titre 2014 est en train de se jouer. Chez Tech Drive, on est concentré. Si la 16 dépasse la 1, ils sont champions. La tension est palpable dans le stand Ores. Et après une intervention de 10 minutes, la 1 repart finalement en 4e place avec 10 secondes d'avance seulement sur la 16. Emmanuel Orgeval est à l'attaque. Il doit revenir sur Franck Petit pour s'imposer au championnat. Mais la 1 se bat bien et ne lâche rien. Qui de la 16 ou la 1 va décrocher le titre, c'est le suspense de cette fin d'épreuve. Devant, la 19 se dirige vers la victoire et devance la numéro 2. L'équipe TC Racing de Joël Secaldi peut décrocher un beau doublé dans le temple de la vitesse.
Et c'est le cas, troisième succès de l'année pour la 19, pour la plus grande joie de l'équipe sur le Muret, même si cela ne sera pas suffisant pour être titré. Alexandre Bergoda félicite Florent Mazo, doublé mérité pour OTC Racing. Elle est belle cette fille, hein ? Bien sûr qu'elle est belle. C'est pas le titre, mais c'est vraiment une belle victoire. Complètement, très belle victoire et encore sous l'émotion. C'est gagner Monza comme le Red Bull Ring, c'est juste magnifique. Puis je pense que c'est là où on la mérite parce qu'on a vraiment tout fait pour gagner quoi. Puis l'équipe pour l'année prochaine, je pense qu'on sera tous les trois et ça va être. On va aller chercher le titre l'année prochaine, on veut le titre. Mais en 2014 et pour la troisième année consécutive, c'est bien une voiture de chez Aurès qui remporte le titre de l'Améra Cup. T'avais dit d'aller doucement, bordel. Bah voilà, les champions en titre restent champions. Bah écoute, on va dire qu'on est très chanceux, on est très content et surtout on remercie les mécanos parce que là, cette course-là, on peut leur dédier. Grâce à eux, on a réussi à gagner. Et puis bien sûr, mes copilotes, ma pole position qui doit se balader par là. Voilà, on est très content, voilà, c'est super. Deux fois de suite. Bon, on va essayer de le remettre en jeu, bien évidemment, vu qu'on a gagné, on ne peut plus faire autrement. Mais voilà, c'était vraiment très très bien. Et puis au moins, ça avait du suspense jusqu'à la fin, donc tout le monde est content. Confirmation des résultats avec la victoire de la 19 devant la 2 et la 10. Grâce à sa quatrième place, la 1 décroche le titre 2014. Il s'en est fallu d'un souffle pour que la 16 ne soit sacrée, malgré un début de course difficile. Après le décompte des points, c'est bien l'équipe Aurès Marie 3D qui est titrée pour 15 points seulement face au Tech Drive Leclerc, leader en arrivant en Italie. Tech Drive Intermarché termine seulement 4e du championnat. Victoire en gentleman pour la 20 de Brahard, de Rennes, d'Estando et Lassalle, devant la 27 de Depoli, Vanier, Pocachard et Charles. La 7 de Darne, Benz et Guignard termine 3e. Les vainqueurs du jour sont aux anges, 3e victoire de l'année pour Actual Red Team ETC Racing. Marie, Périssel, Petit et Pernaud, les nouveaux champions 2014, reçoivent leur trophée sur le podium. Ils sont entourés de Tech Drive Leclerc et Actua Red Team ETC Racing. C'en est tout pour cette saison 2014 de l'Améra Cup qui se conclut sur un nouveau succès de l'équipe Aurès Marie 3D. Merci encore pour votre fidélité et rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle saison de l'Améra Cup encore plus disputée.